Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit haul de chez Action. Mais avant le haul de chez Action, je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui. J'étais toute contente parce que c'est quelque chose que j'avais commandé depuis le 23 juin chez AliExpress. Et que bah, franchement, je pensais plus que j'allais le recevoir en fait. Et voilà, je suis trop contente. Et voilà ce que c'est. Enfin! Voilà. Et quand on tourne, voilà. Vous vous rappelez, c'était... Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était Ghislaine qui m'avait envoyé plein de petites découpes de chats, en fait. Et quand j'avais reçu mon colis, j'avais cherché, du coup, j'avais commandé tout de suite. Et puis, du coup, bah non, j'avais pas reçu. Et franchement, je pensais que j'allais jamais le recevoir. Je guettais là pour leur envoyer un mot pour dire que je les avais pas reçus. Et du coup, bah, ils étaient au courrier aujourd'hui. Donc, je suis hyper contente. Voilà. Par contre, j'avais commandé ça et j'avais commandé aussi comme un bouquet de fleurs, enfin des branches, et ça j'ai pas reçu du tout, donc bizarre. Donc je vais normalement c'est jusqu'au mois début août, donc si début août je ne l'ai pas, je vais les contacter parce que bon voilà. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer mes petits chats que je suis trop contente parce que j'en avais plus. J'ai vidé l'enveloppe et du coup, je vais pouvoir refaire des petites créas avec. Et donc ensuite, eh ben, c'est Action. Je suis allée, donc vous ne verrez pas la vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est mercredi et donc je suis allée aujourd'hui, mercredi 28. Aux Actions à Alençon, celui qui est route de Bretagne du côté de Carrefour et qui est à côté de Nose. Voilà. Et du coup, bah, de toute façon, je vais faire deux hauls. Là, ça va être le haul Action. Et après, je vous ferai un haul plus tard de Nose. Voilà. Donc, bah, d'abord, je me suis pris une petite gâterie. J'adore ça. Voilà. De temps en temps, je me prends. C'est du caramel avec des amandes. J'adore les amandes. Enfin, voilà. Et ensuite, voilà, j'ai pris ces petites choses-là et j'ai trouvé des nouveautés. Alors, moi, je dis c'est des nouveautés parce que moi, je ne les ai pas encore vues. Alors, peut-être que pour certaines, c'est plus des nouveautés. Mais en tout cas, pour moi, c'est des nouveautés. Alors, d'abord, j'ai pris ça, qui n'est pas une nouveauté. Des stylos, c'est les Scholl marqueurs. Et j'ai pris parce qu'il y a le blanc, parce que je veux tester en fait si ça marche. Parce que je voulais voir sur du foncé en fait, hop, si ça fait des petits points ou pas. Et voilà, si ça le fait. Parce que j'ai fait cette petite création là en fait. Et voilà, et ça marchait bon. Et je voulais mettre des petits points blancs et j'avais pas, en fait, j'avais pas de feutre assez fin pour que ça fasse joli. Donc, ben voilà. Donc, j'ai pris ça. Et ça, c'était, alors, voilà, je sais pas exactement combien c'est. Alors. Eh ben, je ne trouve pas. Comment cela se fait-il? Ah si. Twin, non, si, c'est ça. Oh là, c'est cher quand même. 1,95€. Non, c'est pas ça. Ah si, pourtant, ça a bien l'air d'être ça. Là. La barre et les twins. Ben, si, ça doit être ça. Ouais, si, c'est 1,95€. Voilà. Et donc, le code barre qui... Ah, ben, il est là. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et donc, c'est 1,95€, les 5. J'ai pris que cette couleur-là parce que
Je me suis dit que je ne veux plus prendre de stylo parce que, enfin, vous ne voyez pas, mais j'en ai des dizaines. Et en fait, je les utilise pas tant que ça. Et en fait, ça sèche malgré tout. Donc, j'ai freiné énormément. Donc là, j'ai pris ça, à moins que vraiment, ils soient super, que je les utilise super. Dans ce cas-là, je prendrai d'autres couleurs. Mais pour l'instant, moi, c'était juste pour le blanc. Voilà. Ensuite, j'ai pris ces deux planches. Alors ça, c'est de la faute à Rose Bonbon Coco. Parce que j'ai vu, elle a fait un haul où elle a montré celui-là avec... avec tout pour, comment dire ça, pour, bah, ça peut être pour scraper en fin de compte. Hein. Il y a l'encre, les stylos, les comment dire ça, les peintures. Là, il y a le petit chariot, voilà. Puis là, vous avez, hop, encore pareil, des peintures, le notebook, enfin voilà, les ciseaux, tes crayons, la colle... les punaises, franchement j'ai trouvé super. Alors je ne pense pas que je l'ai déjà j'ai eu un doute en fait quand une fois arrivé à Action, quand je l'ai pris, j'ai eu un doute, je me suis posé la question si je l'avais pas déjà pris, mais si c'est ça, je l'ai pris il y a déjà enfin c'était en début d'année, alors ça je pense pas en fait. Je pense pas du tout que je l'ai. Et celui-là, c'est parce que c'est voilà, c'est ça me rappelle les vacances, le pique-nique, un pique-nique, tout ça là. Hop, voyez, voilà, c'est vraiment l'esprit vacances. Voilà, encore une petite nappe avec tout pour le pique-nique. Bon, je sais pas trop. Je sais pas. Enfin, si je l'ai déjà dit que c'est vrai, j'ai beaucoup de mal à utiliser les stickers. Beaucoup de mal parce que je n'aime pas le petit bord blanc. Là, ça fait avec... Hop, je vais le poser comme ça. Ça fera peut-être moins l'effet brillant. Mais autour de chaque sticker, vous avez une petite bande qui doit faire 2 mm blanche. Et franchement, je ne trouve pas ça beau. Je ne comprends pas pourquoi il laisse ça à chaque fois. Du coup, alors, quand j'utilise, j'essaye de découper parce que je n'aime pas beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de stickers. Mais des fois, je les sors pour les utiliser. Mais quand je les pose et que je vois cette bordure blanche, et ben vraiment, je trouve que ça me gâche. Oui, ça me gâche ce que je suis en train de faire. J'aime pas. Alors, de temps en temps, je prends mon courage à deux mains et je coupe tout le... J'enlève tout le côté blanc et ensuite, je encre. Mais c'est vrai que c'est pas oui, je comprends pas trop leur délire de faire ça. Voilà, bref, petit aparté sans importance puisque je l'ai acheté quand même, mais voilà, parce que je trouve que c'est beau hein, malgré tout, et c'est vrai que ça m'embête qu'il y ait ce bord. Voilà, ensuite j'ai repris le calepin pour alors un côté vous avez pour les aquamarqueurs et l'autre côté pour les alcools marqueurs. Moi j'utilise pas du tout pour ça, moi j'utilise pour faire des découpes et des fonds. Voilà. Ça, et voilà les nouveautés. Alors là, je suis trop contente. Est-ce que vous les avez déjà vus ça? Moi, j'avais pas encore vu. Pour moi, c'est la première fois. Et donc, et ils étaient à 74 centimes pièce. Ah oui, ça, je vous ai pas dit. Là, avec le... Ouh là, c'était tellement petit, le code barre. Je ne sais pas si vous allez le voir. Hein. Celui où il y a le petit chariot. Et donc, ça, c'était 99 centimes. Voilà. Et là, vous avez l'autre. C'est 99 centimes. Et là, ça, c'est 74 centimes, le petit bloc. Il y a, il fait 15 sur 15, il y a 30 feuilles et il y a 3 feuilles de chaque dessin, en fait. Et c'est du 100 grammes. Bon, c'est dommage que ce soit pas un petit peu plus, mais bon, voilà. Alors, je vais vous montrer, je les trouve trop beaux. Alors, j'espère que ça va aller avec la lumière. Alors là, vous en avez, hop, je vais faire comme ça, voilà, vous en avez 3 comme ça, ensuite vous en avez 3 comme ça, je les trouve vraiment magnifiques, 3 comme ça,
trois comme ça. Trois comme ça. Trois comme ça. Ce papier-là, ça, on l'a eu dans des vieux blocs, ça, c'est sûr. Ça. Ça c'est pareil, je crois que c'est dans d'autres blocs. Et voilà pour finir. Ah, les autres ils sont. Ah, j'avais pas vu. En fait, oh là, j'avais même pas vu. Alors, vous avez deux normales. Voilà. Et le troisième, c'est avec du foil. J'avais même pas fait attention. Et donc, celui d'avant, ça, c'est avec le foil. Voilà. Alors celui-là, bah celui-là aussi, avec le foil. Oh, j'avais même pas fait attention qu'il y avait du foil. Là aussi, un petit peu de foil. Tous, ils ont du foil rose. Regardez là, il est trop beau celui-là. Un beau cadre, j'espère que vous voyez. Là, c'est pareil, il y a du foil. Là aussi, les ronds, le tour des ronds. C'est discret, c'est pas trop fort. Là aussi, c'est pareil. Là, le cœur des petites fleurs, c'est du foil aussi. Hop. Là, avec les petits macarons, c'est pareil. C'est très joli. Voilà. Et donc ça, c'est pour celui-là. Et donc celui-là, c'est ça. Le code barre, je pense que c'est tous des codes barres différents. Oui, voilà. Donc ça, c'est le Happy Colors. Voilà, et donc c'est 100 grammes. Alors hop, je vais faire comme ça parce que celle-là, c'est le. Ensuite, on a celui-là, Flower House Collection, toujours pareil. Donc 30 feuilles, 15 sur 15, 100 grammes et 3 de chaque. Donc hop, donc je présume. Oh là là, elle est magnifique. La dernière, il y a un tout petit peu de foil comme ça, là, dans le cœur des fleurs. Mais c'est léger, hein, c'est pas choquant. Regardez, c'est magnifique. Là, celui-là, il est magnifique. Pourtant, je ne suis pas trop rouge, mais je trouve que ça fait beau parce que c'est des toutes petites fleurs. Là. Alors, hop, là. Encore, hop, c'est les petits points qui sont en foil. Et là, les fleurs. Hop, là, c'est les petits points aussi qui sont en foil. On les distingue à peine. J'espère que vous voyez. Je ne vais pas être obligée de refaire ma vidéo. Parce que, enfin, que vous voyez, oui, vous voyez, mais que vous voyez vraiment les vraies couleurs. Là, c'est pareil, c'est les petits points qui sont en foil. Hop là, c'est sans foil. Là, ça va être encore des petits points. Oh là là, il est trop beau celui-là. Oh, regardez-moi ça. Il est juste magnifique. Là, là, pareil. Là, non, c'est pas des petits points. Là, vous avez partout comme ça, le tour des feuilles. Tout ça, c'est en foil. Je sais pas si... là, il n'y a pas de feuilles. Là... Pareil, le foil, là c'est les petits points à nouveau. Là c'est sans foil. Oh là 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 là, j'adore ces petites fleurs comme ça, ces petits bouquets. Là c'est au cœur des fleurs. En fait c'est le même que là. Hein. À part que là c'est en grand et là c'est en petit. C'est le même papier. Là. Là, c'est pareil. Hop, les petits points en foil. Là c'est sans foil, voilà, voilà. Donc celui là c'est Flowers Collection. Et donc à chaque fois, là le glitter, c'est du glitter rouge, je dis du foil mais en fait non, c'est du glitter. Celui là c'est du glitter, celui là c'est du foil. Je vous dis n'importe quoi, moi. Là c'est du glitter celui là Et donc, celui-là, j'en ai pris deux parce que je le trouve beau. C'est vintage texture. Et donc là, ça va être... Regardez comment c'est beau. Alors, c'est des tout petits points.
Mais c'est léger en fait, je trouve que ça fait très fin. Là, sans rien. Il est trop trop beau le fond. Regardez là, magnifique. Ça fait tout le tour en glitter. Hop, vous avez les papiers comme ça. J'ai trouvé que c'était trop beau. Là, celui-là. Ça, celui-là, on l'a déjà eu dans les grands blocs. Là, voilà. Donc, comme ça. Là, les feuilles. Pareil, le glitter, il est un petit peu sur les feuilles. Mais c'est pas exagéré, en fait. Là, sans rien. Là, c'est tout doux. C'est les petits points en foil. Là, hop, sans foil. Mais je trouve que le fond, il est trop beau. Regardez là, c'est pareil, c'est trop beau. Là, c'est des parfums. Publicité pour des parfums. La l'ivrognerie guérie. Ah mon Dieu. Là, ça doit être pour un médicament pour plus boire, peut-être. Je ne sais pas. C'est rigolo. Donc, voilà. Ensuite, celui-là, regardez comment c'est magnifique. En fait, c'est les cartes et les photos qui sont entourées de glitter. Ça fait vraiment trop, trop joli. J'adore. Là, sans rien. Là, ça fait pareil que l'autre. C'est très, très beau. Je sais pas comment, je sais plus comment ça s'appelle, ces dessins comme ça. Là, hop, sans glitter. Là, encore les monuments de Paris. Regardez, la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le pont de je ne sais plus où. Tout ça, c'est trop beau. Là, pareil. Hop. Là, les feuilles, regardez, les feuilles, comment c'est joli. Ils sont vraiment très beaux, ces petits blocs-là. Hein. Ça, j'en ai pris deux parce que franchement, c'est trop beau. Et pour 74 centimes, et là, mon chouchou, évidemment, le rose. Donc, c'est toujours du glitter. Hein. Et c'est Beautiful Romance. Ah oui, j'ai pas mis le... J'ai pas mis de... Voilà. Après, vous faites arrêt sur image pour voir le code barre. Hein. Et là, encore... là, c'est le rose. Donc, le Beautiful Romance. Et là, c'est pareil, c'est du glitter. Regardez, les belles fleurs. Pareil, là, c'est les petits points. Et là, c'est du glitter rose. Voilà. Je trouve que c'est trop beau. Là, regardez comment c'est joli. Ça fait comme si, comme un... Oui, comme une petite colombe, en fait, qui vole. Et le glitter, il est sur la petite colombe. Ça fait très joli, c'est très fin. Et là, regardez, on voit comme ça. Là, des rayures, elles sont, c'est trop beau. Le rendu du glitter rose avec le fond rose, ça fait très fin, en fait. Là, ça fait tout simple. Là, c'est des cœurs. Hop, là, sans glitter. Là, on dirait de la dentelle. Là, c'est de la dentelle. Il y a du glitter partout sur la dentelle. Et là, hop, c'est en simple. Là, je suis moins fan. Même si c'est un peu violet. Mais oui, ça fait un peu comme un négatif, en fait. On voit les fleurs, mais on ne voit pas beaucoup. J'aime moins. Vous voyez, je suis moins fan de ça comme ça. Donc, hop, encore les cœurs en glitter. Là, hop, en normal. Encore de la dentelle. C'est magnifique. Regardez, sans rien. Là, les fleurs. Ça, c'est pareil. C'est des fleurs qu'on a déjà eues dans des blocs. Ça, c'est... J'en suis sûre. Et là, sans glitter. Voilà. Et la dernière, rose, avec les petits points glitter, en glitter. Là, et sans rien. Voilà. Et ben voilà. Il y avait d'autres. Alors, il y avait en noir. Il y avait la série dans les tons noirs. Et
je sais plus. Je crois que j'avais encore qu'il y avait une autre, je sais plus. Je sais plus. En tout cas, moi j'ai pris dans ce qu'il y avait là-bas. Moi j'aimais bien celui-ci. J'aimais bien celui-là. Je l'ai trouvé trop beau. Et ces deux-là. Voilà. Et il y en avait pas mal quand même. Et ça, il se trouvait. En fait, j'allais les manquer. Il se trouvait où il y a le rayon, où il y a les grands blocs. C'était au-dessus, en fait, dans le vraiment l'étagère tout en haut du... comment dire ça des rayons, en fait. Et franchement, j'allais même pas faire attention. Heureusement que mes yeux, c'est des radars. Et quand il y a... Et en fait, c'était ça qu'il y avait devant. Alors, forcément. Hein. Enfin, voilà. Écoutez, voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Ça, j'en ai repris un parce que l'autre, il n'y a presque plus rien. Je l'ai presque tout vidé. Voilà, ça. Ma petite gourmandise. Et puis, voilà. Et, ah oui, et puis ça, qui n'a rien à voir avec Action, bien sûr, parce que tout ça, là, c'est Action. Et donc, ça, c'était AliExpress. C'était mon fameux die de chat que je suis trop contente de l'avoir. Voilà. Écoutez... J'espère que ma petite vidéo, elle vous a plu, que je n'ai pas dit trop de bêtises, parce qu'il y a des fois, je dis pas mal de bêtises, entre les fois où j'ai dit action au lieu de dire nose, ou nose au lieu de dire action, etc., etc. Enfin, voilà. Ah oui, si, juste un petit message pour... ah là là, comment elle s'appelle? Il y a quelqu'un qui m'a laissé un message hier ou avant-hier, Sylvain peut-être. Oh, je me rappelle plus le... J'ai une petite tête, en fait. J'ai du mal à retenir certaines choses. Et les prénoms, oh là là, c'est trop dur. Et du coup, elle me disait qu'elle avait de la famille dans le coin et qu'elle allait venir, elle allait profiter pour aller à... Enfin, elle me posait plus exactement la question, à savoir, est-ce que aux actions de Mamers ou celui d'Alençon, est-ce qu'il y avait encore des tags? Voilà, les die tags de chez Action. Là, moi, j'en ai vu quand même quelques-uns encore. Voilà, j'ai regardé, j'ai pas tout regardé, hein, parce qu'il y avait un gros paquet de die. Mais en regardant comme ça, il y en avait un petit peu encore. Donc, je sais pas s'ils y sont tous, mais il y en a encore. Alors, si tu regardes ma vidéo, ben voilà, il y en a encore sur, à celui de, je dis bien, c'est je suis allée à l'action de Route de Bretagne. Donc, Alençon, Route de Bretagne, celui qui est à côté du Carrefour et de Nose. Voilà. Allez, j'arrête mon blabla. Je vous laisse. N'oubliez pas en partant mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire. Ceux qui ne sont pas abonnés et qui hésitent, n'hésitez plus. Soyez les bienvenus. Un petit clic sur la petite clochette pour être averti des nouveautés. Et voilà, et je vous dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bisous, bisous.